Le 3, la présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 17 juillet 2020. Fait à Kinshasa le 17 juillet 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le Premier ministre, le vice-ministre. Pour le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba. Pour certifier conforme à l'original, le 17 juillet 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Kolongele Eberandé, directeur de cabinet AI. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression renouvelée de nos hommages les plus déférents. Plaise à votre Excellence que nous appelions maintenant les nommés afin qu'ils soient présentés à la nation avant de les inviter à prêter le serment légal. Nous appelons Monsieur Kalouba Dibois Dieudonné. Dieudonné est né à Mbujimayi le 4 février 1966. Il est originaire de la province de Lomami. Il est marié et père de 3 enfants. Il obtient le diplôme d'État en section littéraire en 1986 à Mbujimayi. Il obtient le diplôme de licence en droit, option droit public en 1993. Il obtient le certificat d'aptitude à la profession d'avocat en 1998. Il obtient le diplôme d'études supérieures en droit public à l'Université de Kinshasa en 2005. Il obtient le diplôme de doctorat en droit à l'Université de Kinshasa en 2010. Il obtient le certificat des cours postdoctoral de justice constitutionnelle de l'Université Paul Cézanne d'Aix-en-Provence en 2014. Il est professeur de droit à l'Université de Kinshasa. Il est professeur invité à la faculté de droit Paris 5 Descartes en 2014. Il est avocat à la Cour suprême de justice. Il est chercheur en droit constitutionnel et administratif. Il est auteur de plusieurs ouvrages, notamment La justice constitutionnelle en RDC, deuxième ouvrage Du contentieux constitutionnel en RDC. À ce jour, il est nommé membre de la Cour constitutionnelle. Nous prions M. Kalouba Dibois Dieudonné de bien vouloir prêter son serment légal. Moi, Dieudonné, Kalouba Dibois, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder les secrets des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sous les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre question.
avec le directeur de cabinet. Son serment, ça sera juste après. Il va devoir regagner sa place et la conseillère principale du chef de l'État en charge de matières juridiques et administratives va certainement appeler l'autre juge qui a été nommé par ordonnance présidentielle pour prêter serment devant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo, le magistrat suprême, garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo jusqu'à Kousseni. Nous appelons Madame Kaloumé Asengo Cheuzi Alphonsine. Cheuzi Alphonsine est née à Kalemi le 9 mai 1955. Elle est originaire de la province du Maniema. Elle est mariée, mère de 5 enfants. Elle obtient le diplôme d'État en 1974. Elle obtient le diplôme de licence en droit économique en 1983 à l'université de Kinshasa. Elle est promue chef de division unique du département des droits et libertés du citoyen en 1987, elle est nommée magistrat à titre provisoire par arrêté d'organisation judiciaire du 24 janvier 1989, nommée substitut du procureur de la République et affectée au parquet de Kalamu en 1989, nommée premier substitut du procureur de la République et affectée au parquet de Kalamu en 1989, nommée conseillère à la Cour suprême de justice en 2013, nommée conseillère au Conseil d'État en 2018 et à ce jour, elle est nommée membre de la Cour constitutionnelle. Madame Kaloumé, nous vous prions de bien vouloir prêter le serment légal. Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation de serment. La Cour constitutionnelle est très sincère et félicitations. Et le procès verbal avec le directeur du cabinet.
unique femme qui se retrouve au niveau de cette haute cour. C'est un honneur mérité à la femme congolaise et coup de chapeau au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et voilà, Blaise Bokokia, depuis l'avènement de Félix Antoine Tshilombo à la magistrature suprême, les femmes sont honorées. Nous avons des femmes vice-premiers ministres ici en République démocratique du Congo. Oui, et madame qui est vice-premier ministre et ministre chargée du plan. Mm-hmm. Oui. On a même une femme... Élisée Minembwe, oui. Voilà. On a même une femme présidente de l'Assemblée nationale. C'est pour dire que les femmes sont honorées aujourd'hui parmi le 9 juges qui composent la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Madame Alphonsine est la seule femme, donc aujourd'hui, une femme est à la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Mamie Mamboni, certainement, ça fait intervenir. Vous êtes une femme parmi les hommes ici pour ce reportage en direct à partir du Palais du Peuple. Matondo mingi Blaise Bokokia ya solo estengo ezali mingi po ba mama po to moni ya tulo tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesi penza lokumu na biso ba mama basi monsieur Kamulete Badi Banga Dieu donné à venir se présenter devant la nation tike ya Congo tozali kokoba. Jusqu'à Kusema, c'est le dernier. Ils sont à trois au total. Les deux autres viennent de prêter serment. Et c'est le dernier qui se dirige devant le président de la République pour la prestation de son serment. Il s'agit bien de Dieudonné Kamuleta Badi Banga, comme ses deux autres collègues. Lui aussi est présenté devant la nation. Voilà, par des ovations justement que monsieur Kamuleta... Monsieur Kamuleta Badi Banga, Dieudonné, est né à Mujimaï le 10 octobre 1964. Il est originaire de la province du Kasaï oriental. Il est fils de militaire. Il est marié et père de 7 enfants. Il obtient le diplôme d'État en 1983. Il obtient le diplôme de licence en droit à l'université de Lubumbashi en 1989. Il est nommé substitut du procureur de la République près le parquet de grande instance de Kamina en 1990. Il est nommé juge de grande instance de Kamina en 1993. Il est nommé juge en grande instance de Kolwezi en 1996. Il est nommé président du tribunal de grande instance en 1999. Il est nommé conseiller à la cour d'appel en 2006. Il est nommé président à la cour d'appel en 2013. Il est nommé conseiller à la cour de cassation en 2018. Et à ce jour, il est nommé membre de la Cour constitutionnelle. Nous prions Monsieur Kanumelete Badi Banga Dieudonné à bien vouloir prêter le serment légal. Moi, Dieudonné Kamuleta Badi Banga, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation. Thank you.
fonction de serment, le président de la République en a pris acte. Et pour l'instant, donc, cette prestation de serment va être immortalisée à travers ces procès verbales. Madame la conseillère va procéder dans les minutes qui suivent à la lecture, justement, de ces procès verbales de prestation de serment. Ainsi, se terminera finalement cette cérémonie historique de prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle. Alors, la beauté du droit, Blaise, la beauté du droit, c'est quoi? À partir de cet instant, les trois juges qui vont s'ajouter aux six autres pour former le nouveau membre de la Cour constitutionnelle ont la compétence de juger de toute initiative d'interprétation en interconstitutionnalité. Or, il semble que depuis hier, il y a un groupe de personnes qui saisissent la même cour pour qu'elle se présente sur une question de constitutionnalité. Donc, les trois ici, plus les six autres, vont siéger pour se prononcer sur cette matière. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'article 162 de notre constitution qui dit « La Cour constitutionnelle est juge de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la Cour suprême. Avec l'expression renouvelée de nos hommages les plus déférents. À ce stade de la cérémonie, qu'il nous soit permis de procéder à la lecture du procès-verbal de prestation de serment. Procès-verbal de la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle. L'an 2020, le 21e jour du mois d'octobre, en présence du professeur docteur Désiré Cachemire Kolongole Eberandé, directeur de cabinet AI du président de la République, chef de l'État, les personnes ci-après. 1. Membre de la Cour constitutionnelle, M. Kalouba Dibois Dieudonné, Mme Kaloumé Asengo Tchéoussi Alphonsine, M. Kamulete Badibanga Dieudonné, nommé par l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20/116 du 17 juillet 2020, portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, ont prêté serment dont la teneur suit. Moi, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Le président de la République, chef de l'État et magistrat suprême leur en a donné acte. En foi de quoi, il a été dressé le présent procès-verbal signé à Kinshasa par les membres de la Cour constitutionnelle, M. Kalouba Dibois Dieudonné, Mme Kaloumé Asengo Tchéoussi Alphonsine, M. Kamulete Badibanga Dieudonné, et le professeur docteur Désiré Cachemire Kolongele Eberandé, directeur de cabinet AI. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression renouvelée de nos hommages les plus différents. Honorables députés et sénateurs, distingués membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Excellences, Messieurs, Mesdames, membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, nous voici arrivés au terme de cette cérémonie qui a concerné la présentation à la nation
de 3 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. Cérémonie au cours de laquelle ils ont prêté serment devant Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, en présence de l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature, représenté par son bureau. Permettez-moi, Monsieur le Président de la République, de remettre la parole au protocole d'État tout en vous remerciant. Gardez-vous au centre, présentez-vous. Musique.